très prudent sur ces questions-là. Quiero ser muy prudente con todos estos temas. Nous échangeons régulièrement entre ministres, mais évidemment à travers les différents services de police et de gendarmerie. Intercambiamos regularmente información nosotros entre los ministros, pero también los distintos servicios de policía, gendarmería y guardia civil. Et je n'oublie pas évidemment l'implication du renseignement. Y tampoco olvido obviamente los servicios de inteligencia. ETA a fait une déclaration il y a un an et demi déjà. ETA hizo una declaración hace año y medio. Mais nous considérons avec nos amis espagnols. Pero consideramos con nuestros amigos españoles qu'il faut que cette organisation terroriste que esta organización terrorista mette fin à toutes ses activités. Tiene que poner fin a todas sus actividades. Livre toutes les armes. Tiene que entregar todas las armas. Et annonce son autodissolution. Y tiene que anunciar su disolución. Tant que ces actes n'ont pas eu lieu, mientras que no se produzcan estos hechos, et tant que nous constatons qu'il y a des activités d'ETA en France, y mientras constatamos que sigue habiendo una actividad de ETA en Francia, il s'agit quand même d'une affaire d'état de droit. Es un asunto de Estado de Derecho, de cualquier manera. Le Parlement a voté une loi. El Parlamento ha votado una ley. Qui a été approuvée par le Conseil constitutionnel. Que ha sido aprobada por el Consejo Constitucional. Le droit de manifester est un droit constitutionnel et démocratique. El derecho de manifestación es un derecho constitucional y un derecho democrático. La manifestation qui aura lieu dimanche prochain à Paris doit pouvoir se dérouler dans les meilleures conditions. La manifestación que está prevista para el domingo que viene tiene que desarrollarse con toda libertad. Ce que je n'admettrai pas, ce sont les menaces. Lo que no voy a admitir son amenazas. Menaces de mort souvent. Amenazas de muerte a menudo. À l'égard de personnalités. Con respecto a determinadas personalidades. Qui sont favorables ou défavorables à l'égard du mariage pour tous. Que se han pronunciado a favor o en contra del mariage pour tous, el matrimonio homosexual. Que nous soyons obligés de protéger ces différentes personnalités qui ont des avis pourtant divergents montre que la menace est sérieuse. Que nos veamos obligados a proteger a estas personalidades que unas son partidarias del matrimonio y otras no muestra bien que es un problema y que tenemos que implicarnos. Et les menaces viennent des mêmes personnes. Y las amenazas vienen de las mismas personas. De groupes d'extrême droite. De grupos de extrema derecha. De groupes identitaires. De grupos centrados en torno a la identidad. De groupes qui défient les lois de la République. De grupos que están desafiando las leyes de la República Francesa. Les menaces de différentes organisations. Las amenazas de distintas organizaciones. Appelant à s'en prendre aux institutions de la République. Que animan a sublevarse de alguna manera contra las instituciones de la República. Sont inadmissibles, elles seront poursuivies. No son admisibles y vamos a perseguirles. Les actes homophobes. Los actos homófobos. Les actes racistes. Los actos racistas. Proférés par des individus. Que vienen proferidos por individuos. Qui sont liés à un certain nombre d'organisations. Que están vinculados a algunas organizaciones. Seront non seulement poursuivis par la justice. No solo vamos a ponerlos en manos de la justicia, a perseguirlos. Mais pose le problème même de l'existence de ces organisations. Pero plantea el problema mismo de la existencia de este tipo de organizaciones. Donc c'est déjà un avertissement très clair que je lance. Es un aviso muy claro que estoy lanzando ya. Nous n'admettrons aucune violence. No vamos a admitir ninguna violencia. Avant. Ou en marge ou après de la manifestation du dimanche prochain. Antes, después o en margen de la manifestación del próximo domingo.